بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا عرف ذلك المؤمن فكيف يتأتى له أن يعدل عن حكم الله سبحانه وتعالى؟ سلوك يا العقيدة بفت الله سبحانه وتعالى سالحكم وإليه الحكم que le jugement revient à lui et qu'on n'a pas le droit de juger par une autre loi que lui, comment après cela il peut laisser le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال الله سبحانه وتعالى أتحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Est-ce qu'il recherche, lorsqu'il délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il recherche, lorsqu'il prend un jugement autre que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il ne recherche qu'à travers cela le hukm de la jahiliya? فالله سبحانه وتعالى هو الحق وكلمته هي الحق وحكمه سبحانه وتعالى فهو الحق فمن ترك الحق كما قال سبحانه وتعالى il y a pas une troisième issue فماذا بعد الحق إلا الضلال. Celui qui délaisse le حق, celui qui délaisse le jugement d'Allah سبحانه وتعالى, il a certes pris quoi? Il a certes pris l'égarement. Par Abu Yusuf Abdullah Al-Adi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واكتفى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنواصل إن شاء الله dans la deuxième partie de الحكم بغير ما أنزل الله. Dans la première partie on a pu voir الأدلة التي تدل على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. On a pu déduire que الحكم بما انزل الله فرض عيني على كل مسلم ومسلمه حر كان او عبدا ذكرا او انثى. Jugé par une loi qui est celle d'Allah سبحانه وتعالى, c'est une chose qui est واجب على المعين, c'est une obligation qui revient à l'individu. Et on a pu voir كذلك أهمية دراسة هذه المسألة, l'importance de connaître et d'étudier cette masala-là, allati kathura fiha al-khud bil-haqq taratan wa bil-batil tara. Dans cette masala-là, des gens ont beaucoup parlé et ont évoqué des choses qui étaient fausses, kathiran wa khadu fi hadhihi al-masala. Donc il faut connaître le haqq min al-batil, et c'est le but de la science qui est al-furqan alladhi yumayyizuka aw yaj'aluka tumayyiz bayna al-haqq wa bayna al-batil. On a pu voir kathalika dans la première partie الرد على هذه الشبهة de ceux qui نعم يجعلون توحيد الحاكمية قسما مستقلا في التوحيد. Et de ce que التوحيد انقسم إلى أربعة وجعلوا ذلك الرابع هو التوحيد توحيد الحاكمية. On a pu voir que c'est une chose qui n'existe pas لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا على ألسنة السلف. C'est une chose qui est محدث comme on peut نعم évoquer علماء. Ils ont pu évoquer que c'est une chose qui est quoi? Qui est muhdath et qui rentre dans une des catégories du tawhid, soit kana ar-rububiyya, ou l'asma wa sifa, ou tawhid al-uluhiyya. Naam. Ensuite, on a pu évoquer les halat par rapport au hukm, bi-ghayri ma anzala Allah. Il y a certaines halat, on n'a pas pu tout prendre, laquelle on a pris 6 parmi les 9. Car je ne sais plus si j'avais évoqué, laquelle al-halat, ils sont au nombre de 9. On a pu voir al-halat al-ula qui est al-istihlal. On a pu déduire que man fa'ala dhalika kafara billah subhanahu wa ta'ala bil ijma'. Al halat athaniya, on a pu voir c'était al juhud. Yani ma'na dhalika annahu yahkum bima anzala Allah lakin fi qalbihi yunkiru dhalika. Il renie
au fond de son cœur, malgré que ses membres et sa langue ne sont conformités avec ce hukm-là, d'apparence il fait comme si jamais il était d'accord avec hukm Allah, lakin dans son cœur, il renie cela. Comme on a pu voir, kazalika, haza, sahibuhu, yakfur. Et kazalika, al-halatu al-thalisa, al-takzib. Yusarrih anna, kitab Allah, wa hukm Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas lieu d'être dans ce zaman et l'akhirihi. Al-halatu al-rabiha, on a pu voir, al-tabdil. C'est le fait de, annahu yahkum bi ghayri ma anzil Allah, ou yahkum bima indahu, wa yaz'um anna dhalika al-hukm min indillah. Il prétend que ce hukm qui n'est pas du kitab d'Allah ni de son rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il prétend que ce hukm là c'est un hukm qui est dans le kitab d'Allah. Kazalika hadha, on a pu voir que c'était du kufr. On avait pu voir kazalika at-taswiya, le fait qu'il prétend que son hukm il est aussi bon que le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kazalika, ça c'est du kufr alladhi yukhrij sahibahu min al-millah. Wa kazalika at-tafdil, wa hadha ashad annahu ya'taqid anna hukmahu afdal min hukm Allah سبحانه وتعالى فمن اعتقد ذلك لا شك ولا ريب فيه أنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى كفرا يخرج صاحبه من الملة. On s'est arrêté à la hala qui est la plus importante, qui s'appelle حكم الاستبدال. وقبل ذلك on a pu voir que toutes ces halas là excepté التكذيب, on ne peut pas juger de la personne التي تحكم avec ces situations là qu'on a cité, les 5. On ne peut pas juger qu'il est kafir, excepté si jamais la personne lui-même a la prouve sur lui-même qu'il a jugé par une loi autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette condition-là, ou plutôt dans cette situation-là. Ou ila, ce sont des choses qui font partie quoi ? Des haqaïd, c'est des mu'taqadat qui sont dans le cœur des gens. Et on ne peut connaître ce qu'il y a dans le cœur des gens, excepté si jamais cette personne-là nous dit que naham, il a jugé par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahillan, mufaddilan, musawiyan ila akhirih. Sinon, on ne peut pas juger du kufr de ces personnes-là, parce que ça fait partie des ashiyas qui sont min umur al-ghaybiyya. Wallahu jalla wa ala qad qala fi kitabihi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghayba illa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, on poursuit, inshallah, la septième halat qui est al-istibdal. Wa hadi al-hala hiya allati waqa'a fiha al-khawd al-kathir. C'est dans cette halat-là que al-khawarij, ils ont, comme on s'appelle, beaucoup parlé bil-batil. Amma al-halat al-oula, c'est qu'on a pu voir, les situations qu'on a pu voir qu'on a dans la première partie, ils sont tous d'accord, on est tous d'accord par rapport à cela, que celui qui fait cela, yakfur billah subhanahu wa ta'ala. Amma hadhihi al-hala kathura fihi al-khud wal-qil wal-qal wal-kalam bil-haqq taratan wa bil-batil taratan. Na'am. Wa hadhihi la sourate de l'istibdal, huwa an yahkuma الحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى دون أن يكون مستحلا لذلك ولا جاحدا لذلك ولا مكذبا لذلك ولا مفضلا في ذلك ولا مساويا في ذلك ولا مبدلا في ذلك. C'est-à-dire qu'il juge par une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal, lakin la ya'taqid qu'il lui est permis de faire cela. Et كذلك la ya'taqid dans son cœur que c'est une chose qui est mauvaise il akhirih. Kadhalika la yukadhib bi lisani. Tam, il dit pas ce hukm-là n'a pas lieu d'être. Et kadhalika la yufaddil. Il dit que mon hukm est mieux que celui d'Allah Azza wa Jalla. Et kadhalika la yusawi. Il dit que mon hukm est égal à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yubaddil. Yazhum anna dhalika al-hukm alladhi hakama bi nafsihi min tilqa'i nafsihi. Il dit que c'est le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est cette sourate-là? C'est-à-dire que annahu yatruk al-hukm bima anzala Allah subhanahu wa ta'ala. يعني عن عصيان عن شهوة في نفسه مع الاعتقاد أن الحكم إنما هو لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن الحكم إلا لله. لكن إنما ترك ذلك الحكم كما يتركه سائر أهل المعصية الواجبات فهو عاصي من العصا. celui qui la halat de celui qui fait un istibdal, c'est quoi le mustabdil? C'est celui qui délaisse une chose par hawa, par passion, par marcia, lakin il sait qu'il est en train de faire un péché. Il sait qu'il a tort. Il reconnaît ses torts. Lakin bishahwati fi nafsihi, comme c'est le cas de celui qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais tu lui dis pourquoi tu as délaissé cela, il ne va pas te dire je l'ai délaissé parce que je pense que c'est ce qu'il fallait faire, c'est mieux. Non, il sait qu'il a tort. Il a tort, il regrette ce qu'il a fait. Lakin ghalabat shahwatuhu alayhi fa'asa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadhalika ba'd al-hukam تحصل لهم ذلك بعد certains des gouverneurs كذلك ça leur arrive ce genre de situation là
dans lequel ils sont confrontés à délaisser le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que par passion et non par parce que yani i'taqid que son hukm est mieux à l'akhirah. Il délaisse comme le délaisse la plupart des gens qui font quoi? Des péchés, tout en ayant la aqida, la conviction que ce qu'il fait c'est mal, que ce qu'il fait il va mériter un péché, qu'il doit se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il regrette cela, il sait qu'il est en erreur, il sait qu'il a tort, lakin comme a dit subhanahu wa ta'ala inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. La nafs, il le pousse à faire cette chose qu'est la ma'siyah, lakin au fond de lui, on va pas dire qu'il est il est contraint, il est pas contraint, lakin il délaisse cela bil ma'siyah, il fait un péché comme le font kazalika les autres. Donc c'est quoi le hukm de ces personnes là allati tahkum bighayri ma anzala Allah ma'a al-i'tiqad annahu 'asi wa anna ma fa'alahu 'isyan. Quel est le jugement de ceux qui jugent par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaissent le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en ayant la conviction que ce qu'ils ont fait c'est mauvais, qu'ils doivent se repentir et l'akhir. Al hukm ala hawala, c'est que ce qu'ils font c'est du kufr duna kufr, wa dhulmun duna dhulmin, wa fisq duna fisq, comme on va le voir inshallah par rapport aux paroles des أئمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On n'a pas de dalil, لا من الكتاب ولا كذلك من السنة ولا كذلك أجمع السلف على أن من ترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو حكم بغير ما أنزل الله عن شهوة في نفسه مع الاعتقاد أنه عاصي كسان كافر بالله سبحانه وتعالى كفرا يخرج صاحبه من الملة. Il n'y a pas de dalil par rapport à cela qui nous montre que celui qui fait cela, dans cette situation-là, que c'est un kafir, que c'est un murtad, que c'est un apostat, il n'y a pas de dalil min al-kitab, et kazalika, la yujad min al-sunnah. On a dit, il n'y a pas de dalil, on parle des dalils qui sont sarih, qui sont clairs, nets et précis. Lakin, tu peux trouver des adillah, mutashabiha. Qad tadul, yani fi al-zahir, tu peux penser, ça peut te laisser penser que la personne yakfur man fa'ala dhalika. Lakin, al-hukm al-muhayyin, c'est pas bil mutashabih. C'est pas bil mutashabi. Qad yujad adilla mutashabiha, lakin li tanzil al-hukm al-muayyan, pour juger d'une personne qu'il est sorti de la sunna, qu'il est sorti de l'islam, il faut un dalil min al-kitab wa sunna qui est quoi sarih, qui est clair, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, illa an tarawna kufran bawa fihi min Allah burhan. Il faut que vous ayez un burhan kash-shams pour pouvoir juger les a'imma, pour pouvoir sortir contre eux, ila khirihi, yani pour dire que c'était kuffar, afin de pouvoir sortir contre eux. Qu'est-ce que l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Kufran bawah. C'est une chose qu'il n'y a personne qui n'a de doute sur cela. Hal yani yakhtalif ithnan min al-muslimin ala anna shams. Ils ne peuvent pas diverger sur cela. Donc il faut que le dalil soit quoi? Comme le shams. Wadih. Personne yakhtalif. Dès qu'il voit ce dalil-là, yusallim laka taslima. Lakin, on n'a pas trouvé cela. Et comme on a pu le voir dans le début, et ça c'était, on a pu voir, c'était une qa'ada qui est muhimma jiddan. Baqa al-asl ala makan. وكما يقولون في كتب القواعد الفقهية قالوا اليقين لا يزول بالشك. On ne peut pas délaisser la certitude pour une quoi? Pour un doute, pour même une forte présomption. اليقين لا يزول إلا باليقين. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من ثبت إسلامه بيقين لم يزول عنه بشك بل ولا يزول إلا بعد إقامة حجة وإزالة الشبهة. Celui qui est muslim, thabata islamuhu, qala la ilaha illallah, wa muhammad rasulullah, wa ata bihukuk al-islam, wa huma as-salati wa zaka. On peut juger, on ne peut que juger de ces personnes-là qu'il est quoi, qu'il est muslim. Wa bil yaqin, la nashuk fi dhalika. C'est un muslim, min al-muslimin. Quand est-ce qu'on juge de cette personne-là qu'il est sorti de l'islam? De la même manière qu'il est rentré, c'est-à-dire bi yaqin. On ne peut pas juger que la personne est sortie, excepté si jamais quoi, yal yaqin. On a un dalil wadih kash-shams kufran bawah fihi min Allah burhan. Naam, dans ce cas-là on dira que cette personne-là kharaja min al-islam wa kafara ba'da islamih irtadda 'an al-islam. Lakin si ce n'est pas le cas, baqa makan 'ala makan. On laisse la chose telle qu'elle est jusqu'à ce que on a le yaqin. Et comme on a pu le voir, c'est une chose qui est dangereuse de juger les gens avec des fortes présomptions, avec des choukouk, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la yarmi rajulun rajulan bil kufri والفسوق ولا يكون صاحبه كذلك إلا ارتد عليه. Celui qui juge, qui dit sur son frère fasiq, mubtadi', zalim,
kafir, il n'a pas de yaqin sur cela, c'est pas le cas, il le juge de cette manière-là, et c'est pas le cas, ce hukm là il revient sur lui. Et comme on a pu voir à travers la parole de l'imam Ibn Abil'iz, qala min a'zam al-baghi, que tu juges sur ton frère qui est quoi, yani kharaja min al-islam annahu murtad, fa hadha la yajuz. Et comme on a dit, il faut, tu vas trouver certainement, et c'est clair net, des adillah qui sont mutashabiha. Lakin c'est quoi tariqatu ar-rasikhina fil 'ilm? Est-ce que yatashabbathuna bil mutashabih ou annahu yarji'una ila al-muhkam wa yatrukuna al-mutashabiha? La chaque ou la raïba fi, c'est que le jawab, al-rasikhuna fil 'ilm, ils s'accrochent aux adillah qui sont muhkama wadiha. Et les ahkam, plutôt les adillah qui sont mutashabiha, ils les prennent, ils les conjuguent avec le muhkam. كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمة هن أم الكتاب أي سآية لك سم محكمة واضحة أم الكتاب معنى ذلك مرجع الكتاب. On revient lorsque on a des comment s'appelle des doutes dans une مسألة, on prend le dalil qui est واضح. هذا طريقة الراسخين. قال فأما الذين في هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Et d'autres dalils qui sont pas متشابه. Tu peux comprendre ceci, tu peux comprendre cela. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Ceux qui ont dans leur cœur un penchant vers la maladie, في قلوبهم زيغ, une déviance, ماذا يفعلون, هل يتشبثون بالمحكم, لا, ils délaissent le muhkam, la chose qui est واضح, et s'accrochent la chose qui est quoi, ambiguë. Pourquoi? Est-ce que c'est pour chercher le haq? La ابتغاء الفتنة, pour rechercher quoi, la fitna في الأمة. Ça c'est la tariqa de زائرين. Ils prennent les choses qui sont ambiguës et ils laissent la chose qui est quoi, qui est wadiha. Donc là, kadhalika, pour juger, comme on a dit, il faut qu'on ait un truc qui est quoi, il y en a qui est muhkam. Sinon, si jamais ce n'est pas le cas, le musulman, on dit, t'as un rasim et al-husra. Et comme on va le voir, inshallah, que vraiment, ils n'ont pas de adillah, excepté que quoi, les shubahat. Fa qawluna, il faut qu'on trouve un dalil sarih, c'est-à-dire tout ce qui est mutashabi, on ne le prend pas. Wa qala l'imam Ibn Abdul Barr, alayhi rahmatullah, fi kitabihi tamhid. فقال لا يخرج المرء من الإسلام, la personne qui est musulmane, dont on est tous d'accord qu'il est musulmane, il ne peut en sortir de l'islam que si jamais que par un ittifaq, yani que par comment s'appelle une kadhalika, un consensus quand même, yani qu'on est tous d'accord comme il est rentré dans l'islam que c'est un musulmane, kadhalika, on est tous d'accord que la chose qu'il a fait, ça l'a fait sortir de quoi, de l'islam. Donc pas de dalil qui est quoi, mutashabi. قال أو سنة لا معارضة لها, où on trouve une sunna, un dalil min al-kitab wa sunna, qui nous montre clairement que cette personne-là est sortie de l'islam. Et regardez comment il a décrit le dalil min al-sunna. Qala la mu'arid alaha. Il n'y a rien qui s'oppose au dalil de ce kitab wa sunna. Il faut que le dalil soit clair. Qu'asham ce qui m'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa hatta yani min al-qawa'id. Alati najid yani fi, inda al-ulama. Qalu, idha thabata al-ihtimal batala al-istidlal. À partir du moment que la personne, lorsqu'elle veut prendre un istidlal, tu as jugé sur une chose, et dans cette chose-là, il y a une probabilité, son istidlal, il devient quoi? Ba'atel. Ça veut dire que ce n'est pas une chose qui sera quoi? Imposable aux autres. Pourquoi c'est muhtamil? À partir du moment que les deux côtés sont quoi? Muhtamil. Ça, on va l'appeler quoi? Mujmal. Comme ceux qui ont pu le voir avec nous dans Qawah al-Fiqh. Tu as plutôt dans Usul al-Fiqh. Tu as deux dalil, les deux ils sont quoi? Mutasawi fil quwwa. Les deux sont égaux dans la force. Comment tu peux venir et prendre un dalil et dire que c'est ce qu'on là qu'il faut prendre. Là, tu es en train de juger avec quoi? Ihtimal. Parce que c'est possible que l'autre partie, l'autre probabilité, ça soit, c'est cette chose-là qui est la vérité. Donc, là, comme ils ont dit, idha thabata al-ihtimal, à partir du moment qu'il y a une probabilité qui est forte, dans le dalil, dans les choses dans lesquelles tu veux prendre pour aboutir à un dalil, tu ne peux pas prendre ça pour dalil karanat et juger sur les personnes. Et comment on a pu voir kazalika? من الأدلة التي تدل على أنه لا يجوز الحكم على المعين بالمتشابه كما نبيوها بقصة إيش أسامة بن زيد lorsqu'il a vu ذلك الكافر في الجهاد فغشاه فلما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله يعني سكافر الذي لا إله إلا الله فقال أسامة بن زيد كان متعوذا il a voulu faire cela afin de se protéger de la mort وفي بعض الرواية قال ذلك خوفا من السلاح. Dès qu'il a vu que j'ai levé mon épée, hein, il a dit la ilaha illallah pour sauver sa peau. Fa madha qala an-nabi sallam lamma balagha dhalika fa qala ya usama kayfa bika billahi illallah idha jat yawm al-qiyamah. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque cette personne là va venir yawm al-qiyamah? Il va dire ya rabbi qatalani wa ana qad kuntu shahidtu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Yani dakhala fi al-islam. Comment il peut me tuer alors j'ai dit la shahada pour entrer dans l'islam. Wa fi riwayatin
هل شققت عن قلبك حتى تعلم هل قالها أم لا؟ Est-ce que tu es parti vers son cœur pour te rassurer, pour être sûr de Yanni qu'il a dit comment ça s'appelle avec sincérité ou pas? Donc là, ça veut dire quoi? Tu peux pas juger. Lui, il a jugé que c'était toujours un kafir. Il est resté sur l'asr. Il a dit Allah, Allah, là, il l'a pas pris en considération, Oussama ibn Zayd. Donc il a jugé par quoi? Probabilité. Il s'est dit non, celui-là, il veut dire cela parce que pour esquiver la mort. Il a tué. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas pris en considération. Son istiglal. Pourquoi? Parce qu'il était muhtamil. Enfin, cette personne-là, il a dit La ilaha illallah. C'est possible, c'est probable qu'il a dit avec sincérité. Comme c'est possible qu'il a dit avec mensonge. Lakin, est-ce qu'on a la certitude qu'il a dit avec mensonge ou pas? Tu prends bil-zahir. Annahu qala la ilaha illallah. Donc, dans ce cas-là, ça nous montre bien kadhalika que al-istidlal wal-amal bil-mutashabih la yughni min al-haqqi shay'a. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala la yughni min ju'. Ça a aucun. Ça ne peut pas apaiser, tamam. Fa zid ala zalika, tamam, qu'il n'y a pas de dalil qui montre cela. Il y a même des dalils qui sont mutashabihs, on va le voir inshallah à la fin. Fa innahu qad thabata min Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fi tafsir qawli Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun annahu qala radiyallahu anhu قال هو الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة. Il a dit dans le tafsir de ces ayats là que le mourad, ce qui est voulu dans le kufr, هنا, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Il a dit c'est un kufr qui est quoi? Mineur. لا ينقل عن الملة. Ça ne fait pas sortir de la personne de l'islam. Donc là c'est معروف. La situation qui est voulue ici, c'est pas celui qui fait يعني يحكم بغير ما أنزل الله. بالاستحلال parce que l'ijma on a pu voir que c'est du kufr. ولا كذلك تكذيبا ولا كذلك جحودا ولا كذلك تبديلا ولا كذلك تفضيلا ولا كذلك مساويا. Donc tout cela on a pu voir qu'il y a des ijma'at. Donc ça peut, il peut rester que une halat, c'est celui qui le délaisse tout en ayant la aqida, la croyance que ce qu'il est en train de faire c'est un péché, ce qu'il est en train de faire c'est mauvais. Ces genres de personnes là comme قال ابن عباس كفر دون كفر أو قال هو الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة وفي بعض الرواية قال رضي الله عنه قال هو به كفر c'est une mécréance pour lui et le kufr qui évolue ici c'est pas le kufr يعني qui fait sortir l'islam ou illa celui qui tue son frère c'est un kafir قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتله كفر si on prend la parole comme elle est au premier degré bah نكفر الذي قتل قتل أخاه celui qui tue son frère قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود متفق عليه وقتله كفر celui qui l'a tué c'est un kafir. Bah, la même chose. Donc là, ça nous montre. Hein, ce qui est voulu ici, ce n'est pas la grande mécréance. Lakin, c'est la petite mécréance qui peut mener à la grande mécréance. Quand on dit Yanni Kufr, on donne un Kufr, il ne faut pas croire aussi que ceux qui délaissent le Hukm, qui jugent Yanni par une autre loi que celle d'Allah Azawajal, que ce sont des pieux. Là, ce qu'ils font, comme il dit subhanahu wa ta'ala, حالهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. Ceux qui font ce genre de choses-là, la mécréance, la sortie de l'islam, elle est beaucoup plus proche pour ces personnes-là. Que quoi? Que l'iman. Parce que c'est du kufr. C'est pas parce que c'est mineur que c'est, ça veut rien dire. C'est du kufr. C'est un kabir amel un kabir. C'est-à-dire que la personne, elle a un pied dans l'islam, là qu'elle en a un autre dans le kufr. Et il ne manque entre les deux que très peu de choses. Hum lil kufri, yawma idhin aqarabu minhum lil iman. Ces genres de personnes-là, il faut faire attention, c'est très très grave. Fahada yani min al kufriyat allati. ليست يعني تخرج صاحبه من الإسلام لكن قد يؤديه إلى الكفر وكذلك مما يدل على كذلك la parole d'Ibn Abbas elle est bien et belle instaurée c'est que ses élèves comme Taous comme Mujahid comme Atta ibn Abi Rabah naham alayhim rahmatullah كذلك ils ont évoqué une parole qui semblable à celle d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma par rapport au tafsir de cette ayah là وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الظَّالِمُونَ وَالْفَاسِقُونَ فَقَالَ تِلْمِذُهُ تَاوُس عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْكُفْرُ الْأَصْغَرُ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ c'est la petite mécréance celle qui ne fait pas sortir de l'islam وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ c'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ c'est une mécréance. Lakin, c'est pas une mécréance qui est telle à celui qui a mécru en Allah Azza wa Jal, en ses anges et kadhalika en ses prophètes. Wa qala Ata, rahimahullah ta'ala, qala huwa kufrun duna kufrin, wa dhulmun duna dhulmin, wa fiskun duna fiskin. C'est une mécréance qui n'est pas la grande.
c'est qui n'est pas la majeure. Un dhun qui n'est pas le majeur. Un fisq, kadhalika, qui n'est pas le majeur. Parce qu'on peut trouver un dhun qui est akbar. Inna shirk la dhunmun. Et inna shirk la dhunmun azim. Il y en a celui qui fait du shirk, c'est un dhun. Lakin c'est un dhun qui le fait sortir de l'islam. Wa kadhalika al fisq, il y a du fisq qui est akbar. Fafasaka an am rabbi. Tu oublies la double aya. Lakin qala, fafasaka an am rabbi. Il est sorti de là. De l'obéissance totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, kafara billah subhanahu wa ta'ala bil fisq. Al fisq kadhalika yanqasim ila qismayn kal kufr kadhalika kal shirk wa kadhalika al dhulm. Donc ça c'est la parole de qui? Des ulama min as sahaba wa tabi'in. Annahum yaqulun fi tafsir hadhihi al aya. Et ça peut être que pour la personne qui yahkum bi ghayri ma anzala Allah wa huwa ya'taqid anna alladhi yaf'al, que ce qu'il est en train de faire c'est quoi? C'est une désobéissance. Que c'est un ghaltan, il est dans l'erreur, il faut qu'il se repente, il faut qu'il arrête ce qu'il a fait. Là qu'il en aucun cas, il pense que c'est l'istihlal ilakhirihi parmi les halats qu'on a évoqués dans la première partie. Le fait de revenir au kitab, à la sunna, ça ce sont quoi? Usul, yani ahl sunna wal jama'a. Là qu'il ne faut pas oublier que usul da'wati as-salafiyya, ils sont mabniya ala thalathati arkan. Ils sont bâtis sur trois piliers. Le kitab, la sunna, wa fahmuhuma ala fahmi as-salaf as-salih. Comme a dit l'imam al-Albani, alayhi rahmatullah, c'est un qol qui est connu, mais on le répète, parce que c'est le munasaba. Qala Sheikh al-Albani, alayhi rahmatullah, qala usul ad-da'wati as-salafiyya qa'imatun ala thalathi da'a'im. Qala al-Qur'an wa sunna as-sahiha. وفهمهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم قال نعم والسبب ضلال الفرق كلها قديما وحديثا هو عدم التمسك بالدعامة الثالثة il dit رحمه الله تعالى les usul de la da'wa salafia ils sont sur trois piliers le kitab la sunna et le fait de les comprendre selon la compréhension des salaf parmi les sahaba, les tabi'in et kadhalika ceux qui les ont suivis, les atba'a tabi'in. Et dit la cause de l'égarement de toutes les firaqs, que ce soit les anciennes ou bien les nouvelles, c'est parce qu'ils ont délaissé ce troisième pilier qui est quoi? Le fahm du kitab à la sunna, ala fahm salaf al-salih min as-sahaba wa tabi'in wa atba'ihim. Le fait d'avoir délaissé la compréhension du kitab à la sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Donc lorsque c'est comme ça, il faut revenir à la compréhension des salaf. La buddhamin. Wahaoula, ils ont délaissé. Ils ont interprété ces ayats-là, min tilqa'i anfusihim, d'eux-mêmes, sans revenir à la compréhension de ceux qui ont participé à la révélation, qui étaient là lorsque la révélation est descendue, et kadhalika les élèves de ceux qu'ils ont pris, des sahaba, kataous, wa kadhalika ka'ata, ibn abin rabah, alayhim wa rahmatullah. Sheikh al-Islam, ibn taymiyyat rahmatullah, il a un qu'il qui est tamam. Faqala rahimahullah ta'ala, qala amma tafsir, fa inna a'lam al-nas bihi ahlu Makkah. لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وتاوس إلى إيفوكي يعني ليست دو سي تلميذ il a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmalahu ta'ala les personnes qui ont le plus de science dans le tafsir ce sont ceux qui sont l'ahl Mecca les gens de Mecca pourquoi parce qu'ils ont dit ce sont les élèves de Ibn Abbas رضي الله عنهما et معروف أنه كان يلقب بترجمان القرآن فقال ابن مسعود نعمة نعمة ترجمان ابن عباس et معروف النبي صلى الله عليه وسلم dit celui qui était le plus savant du tafsir c'était qui Ibn Mas'ud et Ibn Mas'ud il a jugé que et c'était un des Ibn Abbas c'était un des élèves d'Ibn Mas'ud il a jugé que Ibn Abbas c'était un bon ترجمان يعني quelqu'un qui a une bonne explication du Coran ça c'était à l'époque où c'était son élève et معروف Ibn Mas'ud il est mort jeune et que dire alors de la science d'Ibn Abbas bien après ça mais النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Allah subhanahu wa ta'ala, النبي صلى الله عليه وسلم, il a fait une dua pour Ibn Abbas, qu'il soit une personne qui a du fiqh dans la religion et qui a une bonne compréhension du Coran. وعلمه التأويل, أي التفسير. التأويل بمعنى التفسير. Donc dans ces cas-là, il faut revenir aux sahaba et ceux qui étaient, qui avaient le plus de science dans le tafsir. Comme c'est le cas d'Ibn Abbas, et voyez lui-même comment il interprétait, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Que c'est du kufr, d'un kufr, et kadhalika, ses élèves, ba'dahum. وقال رحمه الله تعالى, Cheikh l'Islam, قال فَإِنْ لَمْ نَجِدْ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّ وَلَا فِي السُّنَّةِ رَجِعْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ وذكر منهم يعني الخلفاء الأربعة وقال كذلك ابن عباس البحر الحبر
Il faut revenir, il dit, lorsqu'on ne trouve pas dans le Kitab ou la Sunna une explication d'un verset, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la compréhension des Sahaba. Pourquoi? Ce sont ceux qui avaient la meilleure des connaissances dans ces sujets-là. Il a cité ensuite ces personnes-là comme Al-Khulafa al-Arba, les quatre califes, et il a dit Ibn Abbas al-Bahr al-Hibr. Il y en a, c'est quelqu'un qui avait une science, il y en a qui était aussi large que la mer. Radiallahu anhu. Nous, lorsqu'on fait ces démarches-là, c'est des démarches qui sont contre salafia. On revient au Kitab al-Sunnah. On n'a pas trouvé l'interprétation de cela. On revient à la parole des Sahaba. À Sahaba, il nous explique cela. Que dire après cela? Qu'est-ce qu'on nous reproche? On ne fait que suivre ce déroulement et ces démarches-là qu'il faut faire lorsqu'on est face à des textes qui peuvent avoir une interprétation diverse. On revient au parole des Sahaba si on ne trouve pas cela. Et cette compréhension-là, de cette ayah-là, de Ibn Abbas et ses élèves, تنقلته الأئمة بالقبول بعده. فشيخ الإسلام قال رحمه الله تعالى قد يكون الإنسان فيه إيمان وكفر وقد يكون الكفر الذي ينقله عن الملة. Il dit l'insan, on peut trouver dans lui-même, il fait une œuvre, c'est du kufr, lakin il est toujours mu'min. Et ce kufr là, c'est pas forcément celui qui fait sortir de l'islam. كما قال ابن عباس, il a voulu montrer par rapport à l'aya, lorsque Ibn Abbas il a fassar l'aya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. Donc يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلقى التفسير لابن عباس بالقبول, تمام, il a accepté le tafsir d'Ibn Abbas رضي الله عنه. قال كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية, يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال واصحابه وقد اتبعهم على ذلك احمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. Donc voyez que cette compréhension là, les gens qui sont venus après Ibn Abbas, ils l'ont accepté kazalika. Comme c'est le cas, comme il a évoqué, de l'imam Ahmed, wa ni'ma al-imam, et les gens kazalika qui sont venus après lui. Qala wa ghayruhum min a'imati as-sunnah. Fa a'imatu as-sunnah, leur interprétation, la bonne compréhension qu'ils ont dans cette ayah-là, c'est quoi? C'est kufrun duna kufr. Yani pour celui qui le fait, tout en sachant que ce qu'il fait, c'est mauvais et que c'est une ma'asiyah. Wa qala rahimahullah ta'ala. Qala wa qala Ibn Abbas وغير واحد من السلف في قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق قال وقد ذكر ذلك أحمد والإمام البخاري. voyez كذلك ce sont des أئمة qui ont accepté cela. ونقل شيخ الإسلام كذلك عن الإمام أحمد قال سئل الإمام أحمد عن الكفر المذكورة فيها يعني في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقال الإمام أحمد قال c'est une mécréance qui ne fait pas sortir de la foi. Donc vous voyez, l'imam Ahmad Kazalika, il avait la même compréhension que ceux qui les ont précédés parmi At-Tabi'in wa Kazalika qablahum min as-Sahaba. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah ta'ala, qala hadha al-qawl huwa qawl 'ammat as-salaf. L'interprétation de dire que kufrun duna kufr par rapport à la ayah, c'est la compréhension des salaf. 'Ammat as-salaf. Et lorsqu'il dit 'ammat as-salaf, c'est pas la majorité, c'est tout le monde. عامة السلف. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا تأويل ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة. فابن القيم كذلك تلقى هذا التفسير بالقبول لاكسبته cette compréhension. وقال ابن باز رحمه الله تعالى قال هذا القول صح عن ابن عباس أي كفر دون كفر لآخره. قال وعن مجاهد وجماعة من السلف. un grand groupe de salaf كذلك ils ont dit la même parole que qui que l'imam Ibn Abbas. Donc ça c'est la parole des salaf. Kufrun duna kufr. Dans cette ayah-là, l'interprétation de cette ayah-là, c'est la parole des salaf, comme tu peux le voir. Et kathalika sahha, al-Sheikh al-Albani, al-Athar, an Ibn Abbas, wa kathalika an Tawus, wa kathalika an Atta, wa huwa kana, yani yulaqab bi muhaddith, dhalika al-Asr, rahimahullah ta'ala. Qala al-Sheikh al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah, lamma kana, la yarda hawla, yani an tafsirna hadhi al-ayah, en parlant d'al-Khawarij, lorsqu'ils n'ont pas voulu accepter l'interprétation de ces salafs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? قال الصارو يقولون هذا الأثر عن ابن عباس غير مقبول ولا يصح عنه. Ils ont dit on n'accepte pas et cette parole-là elle n'est pas authentifiée de ابن عباس. فرجع إليه التكذيب كما قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. قال الحق لا يستطاع أن يرد عليه إلا بالكذب. Tu peux pas réfuter le حق que si jamais tu viens avec le mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité. ليس هناك حقا. Il n'y a pas de vérité. فإما الحق إما الضلال.
imma sidq imma al-kadhib. Il n'y a pas de, de choses entre les deux. Enfin, si jamais il y a une vérité, khalas. Tu peux que réfuter cette vérité-là avec quoi? Al-kadhib. Faqala, rahimahullah ta'ala, Cheikh ibn al-Uthaymeen, qala fa yuqalu lahum, kayfa la yasih, yani an ibn Abbas, hadha al-qawl. Qala wa qad talaqqahu man huwa akbar minkum. En parlant des al-khawarij. Il y a des gens qui sont beaucoup plus grands que vous. Qala wa afdal minkum, qui sont meilleurs que vous. Wa a'lamu bikum bil hadith, fa yakfina an al-jahabitha qad talaqqahum bi al-qabul. Ça nous suffit que ces personnes-là, ces a'immas-là, min as-salaf, as-sahaba, wa at-tabi'in, wa a'immatu at-tabi'in, wa al-imam Ahmad, imam al-sunnah, wa al-Bukhari, comment s'appelle, kanu yulaqqam bi jabal al-hif, wa amir al-mu'minin fi al-hadith, Cheikh al-Islam, wa ibn al-Qayyim, wa al-a'immah fi hadha al-asr, kulluhum talaqqahum an al-qabul, et bien ces khawarij-là, ils veulent s'amuser avec nous pour qu'on délaisse cela. Là, là, laissa hakada. فإذا عرفت أن هذا القول وهذا التفسير في من لم يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه عاصي وأنه لا يجوز له ذلك وعليه أن يتوب que c'est pas un kafir, que c'est un kufr دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. Sache que en dehors de cela, yani si tu sais que cela c'est la parole de salaf, donc en dehors de cela tu peux trouver que qui? La parole des khalf, yani الذين يخالفون السلف. فالقول بأنه يعني يكفر من يعني que tu interprètes cette ayah là en disant que c'est un kafir billah azza wa jalla qu'il est sorti de l'islam, هذا لا يتأتى, c'est pas possible de le dire avec celui qui quoi يحكم بغير ما أنزل الله, tout en ayant la haqida que c'est quoi, que c'est une ma'siya qu'il est en train de faire. فce قول là, cette personne, les personnes qui font ce genre de choses là, ce sont min ashab al-kabair, ils ont fait un grand péché. Pourquoi? Parce que ils ont délaissé une chose qui est wajib. Comme on a pu le voir, le hukm bima anzal Allah, c'est une chose qui est wajib. Donc tarakul wajib. Wallah subhanahu wa ta'ala qad qal, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Que prennent garde ceux qui s'opposent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que leur touche une fitna qui est la déviance des cœurs, aw adhabun alim, ou bien que ils sont châtiés d'un châtiment qui sera avenissant. Qal al-Sheikh al-Uthaymeen alayhi rahmatullah fi kitabihi usul min ilm al-usul, ceci montre que toute chose, toute ordre qu'on délaisse, al-asl fihi, c'est quoi? C'est que c'est un wajib. Donc le fait de délaisser le hukm bima anzal Allah et de prendre un autre hukm, ça c'est quoi? C'est une kabira min al-kabair, à partir du moment que la personne tam ya'taqid que ce qu'il est en train de faire c'est quoi? Que c'est un péché et il est en train de suivre sa passion. Tam, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire de cette personne-là que c'est un kafir. Plutôt c'est yani min ashab al-kabair. Tam. Et ce qui nous montre que c'est un grand péché, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit fa'ulaika humul kafirun. Donc c'est du kufr. Quoi qu'il en soit, c'est du kufr. Lakin kama qala al-ulama wa kama qala as-salaf kufrun duna kufr. Donc si jamais on sait que ça fait partie des kabair, fala yajuz an nukaffir yani ashab al-kabair. Le fait de juger de rendre mécréants les personnes qui ont fait des kabair, ça la yajuz. La yajuz zalika ibn ijma. Qala al-imam ibn Abd al-Barr fi at-tamhid عليه رحمة الله قال أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به عليه رحمة الله. Il nous dit que العلماء ils sont tous unanimes que الجور في الحكم, c'est-à-dire d'être injuste, et parmi cela le fait de délaisser le حكم d'Allah سبحانه وتعالى. Il nous dit que par إجماع بالإجماع le fait de délaisser, d'être injuste dans le jugement, ça fait partie de quoi? Des كبائر. لمن تعمد ذلك, celui qui le fait exprès, yani qui le fait volontairement, tout en sachant qu'il est en train de délaisser quoi, une chose qui est wajib alayhi de faire. C'est quoi le jugement de ces choses là il a dit c'est parmi les kabair. Est-ce qu'il y a un khilaf chez les ulama par rapport à cela? Il n'y a pas de khilaf. قال اجمع العلماء على ان الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. فهذا c'est un dalil من الادله qui montre qu'on ne peut pas kaffar celui qui yahkum bi ghairi ma anzal Allah, à partir du moment qu'il est quoi? Ya'taqid annahu asib. Parce qu'on n'a pas de dalil. Au contraire, on a un dalil qui nous montre qui fait partie des ashab al-kabair. Et ashab al-kabair, la yukaffiruhum ilash al-khawarij. Naam. Wa kathalika, mimma yadulla ala adami takfir hawala, qu'on ne peut pas juger de la mécréance de ces personnes-là, c'est que celui qui prétend par rapport à la ayah, wa man lam yahkum bima anzal Allah fa'ula ikahumul kafirun, que celui qui délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir, ay kharja min al-islam, yalzamuhu annahu yukaffir jami' al-muslimin. Celui qui prétend que dans cette ayah là, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun,
que le kufr qui évolue ici, c'est la grande mécréance, ils ont dit les ulama, alors qu'ils jugent de la mécréance de toute la umma. Pourquoi? Parce que toute personne qui fait un péché, il n'a certes pas jugé par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas jugé par la loi d'Allah azza wa jalla. Celui qui délaisse, mathalan, la prière en commun, il n'a pas jugé par la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui. Il a voulu que cette personne-là a pris, comment ça s'appelle, avec la jama'a. Donc le fait qu'il délaisse, il n'a pas jugé fi nafsihi bima anzala. Il n'a pas jugé sur lui par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé par une autre chose. Donc, dans ce cas-là, celui qui délaisse la prière en jama'a, khalas. C'est un kafir billah azza wa jalla. Pourquoi? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَوَلَا كَهُمْ كَافِرٌ. Donc, tous ceux qui font des péchés, يَلْزَمْ عَلَى هَوَلَا يُكَفِّرُونَ جَمِعَ الْمُسْلِمِينَ وَيُكَفِّرُ أَنْفُسَهُمْ. Parce qu'il n'y a pas une personne qui ne veut pas de péché. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَا أَتَى بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ. Le hadith est صحيح. Il nous évoque dans ce hadith là qu'il n'y a pas une personne qui ne fait pas de péché. Et si jamais ce serait le cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aurait anéanti. Et faire venir un peuple autre que vous, qui font des péchés, qui demandent le pardon, et dont Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Quand Allah azza wa jalla, fil hadith al-Qudsi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil layli wa nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Dans ce hadith-là, c'est clair et net, il nous montre qu'il n'y a pas une personne qui ne fait pas quoi de péché. Donc, dans ces cas-là, tous ceux qui font des péchés, c'est des kuffars. Pourquoi? Parce que, hakamu, parce que la ayah, elle est âme. Ce qu'ils ont fait, étudier un peu dans le. Sur le fiqh. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit quoi? Waman. Et men, c'est un ismu mousoul. Wal asma al-mousoul, ça fait partie des alfaz al-âm, qui apportent le sens de la totalité. Comment tu sais que ce love-là, men, il apporte le sens de la totalité? C'est que tu peux le remplacer par quoi? Kul. Et kul, ma'ruf, c'est la totalité. C'est comme si jamais, maintenant, en dehors du Coran, on disait. وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. La phrase, elle est quoi? Elle a un sens. Donc à partir du moment que tu peux remplacer ce men-là par cool, ça veut dire que le men, il a le sens de la totalité. Donc dans ce cas-là, tous ceux qui ne jugent pas, tous ceux qui ont délaissé le hukm d'Allah Azza wa Jal, c'est des kuffar billah Azza wa Jal, يعني يخلدون في النار تخليدا مؤبدا. ومن يقول هذا القول؟ من يقول هذا القول إلا من سفه نفسه. وقال العلماء كل من حكم بين اثنين كذلك سيحاكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال كل من حكم بين اثنين فهو قاضي. Toute personne qui vient qui s'oppose entre deux. تام. أنا وأنت نختلف في شيء. Il y a un troisième qui vient et qui fait l'arbitre entre nous. فهذا il s'est mis dans une position de juge. Pourquoi? لأن كل من حكم بين اثنين. Toute personne qui vient entre qui s'interpose entre deux personnes. تام. Et ben c'est un hakim. Il est en train de juger. Donc si jamais يحكم. Si jamais il délaisse le jugement d'Allah Azza wa Jal, donc dans ce cas-là, on prend la parole de ces personnes-là, فهو كافر بالله عز وجل. فهذا من يقول هذا إلا من سفيها نفسه. قال الشيخ الإسلام كل من حكم بين اثنين فهو قاضي حتى قال حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فقال فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. حتى يقول الشيخ الإسلام الصحابة ils voyaient que la personne qui jugeait entre les enfants, discorde entre les deux petits, deux enfants. Et ben c'était quoi? C'était un hakim. Il le considérait comme une personne qui est quoi? Qui est un juge. Donc si jamais il fait preuve d'injustice dans son jugement, il délaisse, bon c'est clair, mais s'il fait preuve d'injustice, c'est qu'il a jugé par une loi qui est autre que celle d'Allah Azza wa Jal. Parce que la loi d'Allah Azza wa Jal, c'est la justice. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا. L'ad, c'est quoi? C'est la justice. Donc c'est-à-dire que si jamais il fait preuve d'injustice, et ben حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Donc celui qui مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ على قولها هؤلاء السفهاء ابن سان كافر بالله عز وجل وخرج من الإسلام. قال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله قال فيلزم المعتزلة أن يصرح بكفر كل عاصم والظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية لم يحكم بما أنزل الله. نديش الإمام ابن حزم عليه رحمة الله. Donc on peut que imposer aux معتزلة qui prennent l'aïa ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Qu'il juge de la mécréance de toute personne qui fait un péché. De toute personne qui fait une injustice. De toute personne qui fait une chose qui est jugée comme perversité. Pourquoi? Parce qu'il a dit, toute personne qui fait une marsiya, il n'a pas jugé par quoi? Par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu amilin bil marsiya, lam yahkum bima anzalla. Celui qui délaisse une chose qui est wajib, il n'a pas jugé par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose qui est wadih. Celui qui délaisse le siyam,
يعني لأنه يعني عن شهوة عن عصيان عن تكاسل باسكو الجوع إلى آخره celui qui délaisse le siam هل حكم على نفسه بما أنزل الله الحكم بما أنزل الله عليه أنه يصوم فمن شهد منكم الشهر فليصوم donc est-ce que cette personne l'a jugé par la loi d'Allah Azza wa Jal لا il n'a pas jugé donc dans ces cas-là c'est un kafir بالله عز وجل pourquoi parce que c'est un asi ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون dans ces cas-là regardez les dégâts que ça fait d'avoir une mauvaise interprétation et de ne pas revenir dans l'explication au kitab et la sunna et كذلك على فهم الصحابة قال الإمام الألوسي عليه رحمة الله كل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فيجب أن يكون كافرا donc il nous dit الإمام الألوسي donc dans ces cas-là toute personne qui fait des péchés c'est quelqu'un qui n'a pas jugé par la loi d'Allah azawajal. C'est clair et net. Donc dans ces cas-là, toute personne qui ne juge pas, qui font des péchés, eh ben on doit juger d'eux que ce sont des personnes qui sont sorties de l'islam. Et regardez les dégâts. Fa hadhihi al-ashya tadul dalalatan wadhiha 'ala ash que celui qui fait cela, yahkum bi ghayri ma anzala bi shahwa, c'est pas un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Wa zid 'ala dhalika an hadhihi al-aya le fait de la prendre au premier degré, c'est même pas au premier degré, parce que le premier degré, il ne montre rien que c'est un kafir billah azawajal, que cette ayah-là, ce sont les ashab al-khawarij qui ont pris quoi ? Cette ayah-là. Pour interpréter comme eux, ils ont interprété. Les ulama, ils ont parlé de cette ayah-là qu'elle est mutashabbih, et ceux qui ont l'explication, l'interprétation que c'est un kafir billah azawajal, c'est qui ? C'est le khawarij. قال العلامه القرطبي عليه رحمه الله قال يحتج بظاهرها ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من يكفر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجة لهم. Et nous dit, رحمه الله تعالى, l'imam al-Qurtubi, il dit, les personnes comme le Khawarij, ils prennent d'apparence cette ayah-là pour juger de la mécréance de toute personne qui font des péchés. Donc regardez un peu l'égarement de ces personnes-là. وقال l'imam al-Ajurri, عليه رحمة الله, قال, وَمِمَّا يَتَّبِعْ الْحُرُورِيَّ مِنَ الْمُتَشَابِهِ قَلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قال فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر فقد عدل بربه فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون يعني عليهم فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية إن جاء الإمام الأجري عليه رحمة الله من السلف que الحرورية c'est une appellation qui était donnée à الخوارج يعني au début de dans l'ère des Sahaba فهؤلاء ils prenaient cette آية là pour juger de la mécréance des gouverneurs pour dire que celui qui délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a détruit la vérité. Donc c'est un kafir. Et celui qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est mis sur le même, à égo avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc on peut sortir contre eux, et comme il a dit, ils font ce que tu peux voir, parce qu'ils sont en train d'interpréter d'une mauvaise manière la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Hafidh ibn Abd al-Barr, قال وقد ضل جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآية ليست على ظاهرها مثل قول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الإمام ابن عبد البر كذلك إنه dit que cette آية ومن لم يحكم بما أنزل الله les personnes qui l'ont pris d'apparence ce sont les gens de la bid'a parmi les khawarij et les mu'tazila ils ont pris cette آية pour de juger de la mécréance de ceux qui font des grands péchés. Et donc ces noms-là de Aïma nous montrent bien que le fait de prendre la ayah d'apparence, ce n'est pas minhaj ahl sunnati wal jama'a, mais c'est le minhaj de ahl al-bida'i min al-khawarij wal mu'tazila. Donc il faut se préserver de prendre cette ayah-là de premier degré parce que ça fait des gros dégâts. Et hatta, yani al-qawl fa'ulaika humul kafirun, certains ont dit que le fait que la mécréance elle est définie comme c'est le cas ici فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ le fait que la mécréance elle est définie et ben ça peut être que la grande mécréance mais si jamais la mécréance elle est indéfinie et ben c'est quoi elle est nakira c'est-à-dire que c'est la petite mécréance comme il y en a dans le hadith وَقِتَالُهُ كُفْرُ ils ont dit là la mécréance elle n'est pas définie donc ça peut être que quoi la mécréance c'est quoi mineure et lorsqu'elle est décrite elle est définie et ben c'est quoi c'est la grande mécréance où ils ont pris cela ما أنزل الله بها من سلطان تمام فنقول كذلك يعني تنازلا مع الخصم نقول كيف تقول في حديث فاطمة نعم فاطمة la femme de نسيت ابن قيس نسيت ثابت ابن قيس نسيت الحديث يعني في البخاري ف son mari l'a tapé كثير تمام
Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai envie de demander le khul'a, de me séparer de lui parce que rien qui me frappe. Et elle a dit, inni akrah al-kufr fil islam. J'ai envie de me séparer de lui parce que je n'aime pas la mécréance dans l'islam. C'est-à-dire que ils ont dit, les ulama, qu'est-ce que vous voulez par la mécréance ici? C'est kufr al-ashira. C'est-à-dire qu'elle elle va se montrer mauvaise envers lui parce que bon, elle se fait frapper, donc elle va pas elle va pas faire les tâches de comment ça s'appelle ménagère et l'akhirah. Elle va pas tenir son foyer comme il se doit parce que son mari le frappe. Hein. Donc elle dit in akara al kufr. J'ai pas envie d'être mauvaise envers lui, d'avoir de la négligence par rapport au droit qui revient à mon mari. Faqalat inni akara al kufr fil islam. Je déteste la mécréance dans l'islam qui est voulue par là. C'est quoi la mécréance qui est kufr al ashira? Le fait d'avoir une mauvaise relation et de ne pas tenir les droits que la femme a envers son mari. Donc là, la mécréance, elle est quoi? Elle est définie. Inni akrah al-kufr. Est-ce que c'est la grande mécréance? C'est pas la grande mécréance. Donc ce tafsil-là de dire que lorsque c'est de la mécréance qui est définie, c'est de la grande mécréance. Et lorsque c'est la mécréance qui est indéfinie, c'est la petite mécréance. Ma anzalallahu biha min sultan. Aïn allahum dhalik. Donc ça, c'était quoi? La mas'ala par rapport à l'istibdal. Baqiya. التقنين كذلك التقنين c'est quoi? C'est le fait que la personne الذي يحكم بغير ما أنزل الله de lui-même il vient et il invente ces jugements là c'est-à-dire que c'est lui-même qui crée ces lois il akhirihi. Ça on appelle ça التقنين, le fait d'inventer des lois et de juger par ces lois là Quel est le jugement des personnes là? En arabe, c'est « an yahkum bighayri ma anzalla mukhtari'an hukman bi nafsihi » qui juge d'une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal en ramenant une loi de lui-même. C'est lui-même qui l'a inventé. Quel est le jugement kazalika de ces personnes là? Kazalika haoula, on n'a pas de dalil min al-kitab wala kazalika min as-sunna anna man yaf'ala al-ma'siyah min tilqa'i nafsihi, celui qui fait une chose, qui invente une chose, que c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas de dalil. Li'anna la farqa bayna من لا فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله حكما بنفسه أو بغيره. Il y a pas de différence. Et certains ont dit celui qui invente une loi de lui-même et qui juge par cette loi-là, et ben c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Amma celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah azza wa jal en prenant une loi d'une autre personne, et ben ma yakfur. Yani c'est quoi la différence entre juger d'une loi qui est autre que celle d'Allah azza wa jal en l'inventant par toi-même, ou bien en t'appuyant sur une loi qui est autre que celle d'Allah Azza wa Jal, par la démocratie et l'akhirah. C'est quoi le farq baynahuma? Il n'y a pas de farq. L'islam, la yufarriqu bayna mutamathilayn, wa la yajma'u bayna mutafarriqin. L'islam, il ne fait pas de différence entre les choses qui ont des similitudes, et kazalika, il ne réunit pas entre les choses dans lesquelles il y a une différence. Dans lesquelles il y a une différence. Donc là, il n'y a pas de différence là. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc comment on peut faire le tafsil baynahuma? Donc là, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de dalil dans ce cas-là. Allah subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabihi wa ma kana rabbuka nasiya. Allah subhanahu wa ta'ala kama qala la ma farratna fi kitab min shay. On n'a rien oublié dans le kitab. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien oublié dans le kitab. Donc si on ne trouve pas de dalil min la kitab wa sunna, que celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah azza wa jal, en inventant cette loi-là, on n'a pas de dalil par rapport à cela. Donc dans ce cas-là, on laisse ala al-asl. C'est-à-dire que c'est un musulman. Shahida an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah. Il rentre dans l'ijma' qu'a dit l'imam Ibn Abd al-Barr, an al-ajma' al-ulama 'ala an al-jur fi al-hukm min al-kaba'ir liman ta'ammada 'adha dhalika wa kana 'aliman bih. Que celui qui a de l'injustice dans le jugement, ça c'est une injustice, et ben on juge de ce fait-là que c'est quoi? C'est une kabira min kaba'ir adh-dhunub. Donc là on le laisse parmi les musulmans, parce que pour qu'on juge qu'il sort de l'islam, comme a dit le cheikh de l'islam, man thabata islamuhu bi yaqin la yakhruj 'anhu illa bi yaqin. On n'a pas de certitude, on n'a pas de dalil min al-kitab wa sunnah. Et ça fait partie du dhulm al-azim ou al-baghi al-azim de juger que son frère, il fait partie des gens de l'enfer. Khalid al-mukhaladan fiha bada. On n'a pas le droit, donc dans ce cas-là, baqa ou makan ala makan. On laisse le musulman comme il est, on juge de cette personne-là quelqu'un, que c'est un muslim, min al-muznibin. Amma la shakwa la raiba fi, que celui qui fait cela, yani la shad, yani jurman, que celui qui délaisse le hukm bima anzala Allah. La personne qui ne juge pas par une loi autre que celle d'Allah, c'est-à-dire il délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui invente une loi et juge par lui-même, ben c'est clair et net que celui-là, il y en a achète d'urman, parce qu'il invente. Narsha alayhi, qu'il sort de l'islam, mais on n'a pas de dalil. Maintenant, on dit subhanahu wa ta'ala, ablahum shuraka, shara'u lahum min ad-din, ma lam ya'zan bihi Allah.
Tam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué que ceux qui font cela, yani, c'est des shuraka. Tam, yani, comme on va le voir, inshallah, cette ayah-là, c'est par rapport à celui qui prétend que, comment ça s'appelle, c'est du tabdil. C'est-à-dire qu'il prétend que ce qu'il a inventé, ça fait partie du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, on n'a pas de dalil par rapport à ça. Dans ce cas-là, tout mubtadi' c'est un kafir billah azza wa jal. Liannahu ash, ikhtara'a min nafsihi. Celui qui fait, yani, bid'at al-mawlid. Est-ce que c'est une chose que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam est venu avec? Ils ont inventé cette chose-là. Mintilqam Fusim, ceux qui l'ont inventé. Donc, vas-y, ça veut dire que cette personne-là, ce sont des koufars. Là. Donc, c'est quoi le farq entre le mubtadi' et le kafir? Les deux, ils ramènent une chose qui est quoi? Qui est inventée. Donc, on n'a pas d'aller. À partir du moment que cette chose-là, on n'a pas d'aller que cette chose-là qu'il a inventée. Même s'il prétend que c'est du din, il n'a pas d'aller, on n'a pas d'aller que cette chose-là, c'est une mécréance. Eh bien, on juge de cette chose-là que c'est une bil'a, que cette chose-là, c'est du kufr, duna kufr, il a khiri. Kabir amen al-kabir, laquelle on a quelqu'un, on juge de la mécréance de ces personnes-là. Ba'duhum qalu, comment ça peut pas être un kafir, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, in al-hukm illa lillah. Le jugement n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. On leur dit qu'à dalika, inna ta'ata illa lillah. Wa li rasulihi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Faman ata'a ghayrahu, ومن أطاع نفسه الأمرة بسوس كفر بالله سبحانه وتعالى لأن إن طاعة إلا لله سبحانه وتعالى الطاعة سكب الله سبحانه وتعالى كذلك الجمع لكب الله عز وجل donc celui qui prend jugement autre que celui d'Allah سبحانه وتعالى كفر بالله سبحانه وتعالى كذلك الذي يطيع غير الله كفر بالله سبحانه وتعالى وإن كان قد أطاع نفسه في الأشياء التي ليست من الأشياء التي تحكم على صاحبها أنه من المخالدين donc dans ce cas-là يعني comment on juge tamam et certains ont dit celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal, en inventant cette loi-là, ils ont dit, يعني, جعل نفسه حاكما. والله سبحانه وتعالى هو الحاكم. Donc dans ces cas-là, il a jugé que c'est un hakim, comme Allah subhanahu wa ta'ala. يعني, أن هناك حاكما في العالم. Allah subhanahu wa ta'ala est lui. Donc c'est un kafir billah, c'est un mushrik. لأن سوى نفسه بالله سبحانه وتعالى فيما يختص به Allah subhanahu wa ta'ala. Il a jugé qu'il est égal à Allah Azza wa Jal dans une chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quoi? Le jugement. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Que toute personne qui fait une sourate, kafara billah subhanahu wa ta'ala, wa kharaja min al-islam. L'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ماذا قال? قال من أظلم في الحديث القدسي من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith al-Qudsi que ceux qui font des sourates, qui font des représentations dans lesquelles il y a une âme, Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé que cette personne-là est en train de vouloir créer. Et la création, elle appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ki khalqi. Man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ki khalqi. Qui est plus injuste que celui, par le biais des souas, la représentation dans laquelle il y a une âme, il se permet de créer comme je crée. Donc de ce cas-là, on dit que ceux qui font des souas, khaliquna ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des créateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc kafara billah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a dit cela dans l'islam. Donc, yani, c'est quoi le farq entre celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal, tout en sachant que ce qu'il fait c'est une marsiya, il ne se met pas à égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que c'est un péché, ce qu'il a fait, ce qu'il a inventé comme loi, il sait que c'est un péché, c'est quoi le farq en disant que pour ces personnes c'est de la mécréance, entre celui qui fait une sourate, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jugé que ces personnes-là, ils sont en train de se mettre sur le même piédestal que Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Donc personne n'a jugé que celui qui fait des sourates c'est un kafir. Donc dans ce cas-là, c'est la même chose. Certains ont dit ceux qui font ça ce sont des tarout. Et celui qui est en tarout fait huwa kafir billah azza wa jalla. Et hada kadhalika, il y a pas de dalil. Le fait qu'une personne ait jugé que c'est en tarout, que forcément c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Wal adilla tadull ala ليس كل من يصف أنه طاغوت كسان كافر que toute personne qu'on juge que c'est un tarout, que c'est un mécréant qui est sorti de l'islam. أولا la compréhension du tarout يعني في الإسلام. وفي اللغة لأن القرآن أنزل باللغة العربية قرآنا عربيا غير ذي عوج. فالقرآن واضح باللغة العربية مع مقتضياتها وكذلك مع أركانها مفهومها إلى آخره. Donc elle est descendue par une langue arabe qui est connue à ses règles إلى آخره. فقال العلماء قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله بغضه الطاغوت قال أي سكوا طاغوت قال أترك كل معبود دون الله بغضه الآية وجتنب الطاغوت أي أترك كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى ضلال إنه دي الإمام القرطبي بغضه على definition du طاغوت dans la ayah وجتنب الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنب الطاغوت le fait de délaisser الطاغوت qu'est-ce que ça il nous dit رحمه الله تعالى
que At-Tahout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal, qu'à Shaitan, qu'à Kahin, celui qui prétend connaître l'invisible, Wassanem, les statues, et il dit tout ce qu'ils appellent à l'égarement. Donc, Al-Mubtadi', la shak wa la raiba fi, annahu ta'out, limadha, li'annahu yad'u ila dhalal. Alaysa al-Mubtadi' da'i ila ad-dhalal. Le Mubtadi', n'est-ce pas que c'est une personne qui appelle à l'égarement? Donc, dans ces cas-là, yani, c'est un kafir billah azawajal. Pourquoi? Parce que c'est un ta'out. Donc, c'est un lafz qui est quoi? Qui est ram. Ça englobe la mécréance, comme ça n'englobe pas la mécréance. Et c'est pas possible, qu'on a pu le voir, de juger par une chose, par un terme, pour une chose, excepté si jamais on a un dalil. Le dalil, si jamais il a une probabilité, tu ne peux pas te permettre de juger par la mécréance d'une personne sur une probabilité, comme on a pu voir au début du cours. Parmi la qawaid, إذا ثبت الاحتمال بطل الاستدلال. Le sens, il est large, donc on ne peut pas se permettre de juger par un sens qui est large. Il faut un truc qui est صريح. إلا أن ترى فيه كفرا بواح. يعني كالشمس. قال الإمام فيروز أبادي رحمه الله تعالى. C'est parmi أئمة اللغة. Il a un dictionnaire qui est connu. القاموس المحيط. قال الطاغوت اللت والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس وكل رأس ضلال والأصنام وما عبد من دون الله ونعم ومن عبد من دون الله. Il nous dit c'est pas الطاغوت. Il nous dit رحمه الله تعالى c'est اللت معروف والعزى ceux qui sont adorés dans في قوم نوح والكاهن ceux qui prétendent l'avenir والشيطان وكل رأس ضلال et toute grosse tête dans l'égarement. Il nous dit cette personne on l'appelle quoi الطاغوت. Donc dans ces cas-là les gros mubtadi' ce sont des quoi? Des ta'out. من يقول هذا إلا من سفيها نفسه. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى الإمام ابن باز قال رحمه الله تعالى الطاغوت قال فقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك. Le fait qu'on dise que cette personne là c'est un ta'out, ça peut être un kafir comme ça peut pas ne l'être. Donc là dans ce cas là ceux qui disent que ceux qui jugent par une autre loi d'Allah Azzawajal qu'il invente lui-même ce jugement là c'est un ta'out, on lui dit là ça peut être un kafir comme ça peut ne pas l'être. Donc ça peut, ça ne peut pas. Est-ce que c'est du kufr yani bawah? La. قال الإمام الراغب الاصفهاني qui fait partie des grands aïmas dans la loi et qui a un excellent kitab qui s'appelle Al-Mufradat dans lequel il explique la définition des sens des mots dans le Coran. Il explique le vocabulaire du Coran. Et c'est un kitab qui est mu'tabar chez les ulama, qui est considéré grave. قال رحمه الله تعالى الطاغوت عبارة عن كل متعبد tout transgresseur وكل معبود من دون الله tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah عز وجل. قال بعد ذلك كذلك الساحر le sorcier ça peut appeler الطاغوت والكاهن كذلك قال والماري من الجن les rebelles parmi les djinn قال والصارف عن طريق الخير tous ceux qui t'égardent de la voie du khair et dit رحمه الله تعالى tous ceux-là on les appelle quoi الطاغوت et il y en a encore plein on peut يعني, on va évoquer كذلك la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab parce que هؤلاء الخوارج تكفيريين ils prennent beaucoup la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, yani les mutashabihat min aqwalihi, ils en font des dalils. قال الطغاوت كثيرة. قال والمتبين لنا منهم خمسة. قال أولهم شيطان. Le premier c'est qui شيطان. وحاكم الجور, celui qui juge par l'injustice. قال وآكل الرشوة, celui qui prend la rishwa, yani le dessous de table. C'est tout cela on appelle quoi طاغوت. Donc c'est un kafir, celui qui prend le dessous de table. قال ومن عبد فرضيا, celui qui est adoré et qui agrée cette adoration-là. Tarout. Qala wal amilu bi ghairi ilm. Combien de personnes ils ont œuvré sans ilm. Donc on est tous des tarout. Khalas. On est tous. Kulluna kharajna min l'islam. Allah musta'an. Ma baqiya illa hawla. Kulluna kuffar wal khawaris, ce sont eux les musulmans. Fa sa kadalika, baratlo fikum, la yadul ala zarik. Ils n'ont pas de dalil, c'est que des shubuhat. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه بهم. Ils vont prendre les choses qui sont quoi? Qui ne sont pas claires. Dans lesquelles il y a une probabilité. Ça c'est la tariqa d'ahl al-dalal. بقي une sourate qui est quoi? التشريع العام. Inch'Allah espérons. التشريع العام. Le fait que la personne تحكم بغير ما أنزل الله et il impose cela à son peuple. كالتشريع. Il impose cela à son peuple lorsqu'ils vont au tribunal. La loi qui est jugée, ce n'est pas la loi d'Allah Azzawajal, mais la loi qui a imposé ce hakim. Est-ce que ces personnes-là, ils sortent de l'islam? Si jamais cette personne-là, qui impose à son peuple une loi autre que celle d'Allah Azzawajal, il le fait mustahillan, il pense qu'il a la permission de faire cela, ou il dit que son jugement il est mieux, ou qu'il est
égal à celui d'Allah Azzawajal, avec les halal qu'on avait pu voir qui montrent la mécréance bil ijma. Et bien celui-là, c'est un kafir billah Azzawajal bil ijma. La khilaf bayna al salaf wa kadhalik al khawarij. Lakin al-an natakallam fi alladhi yushri' tashri'an 'aman. Il légifère faire des lois et il les impose à son peuple. Ce sont des lois qui sont autres que celles d'Allah Azzawajal. Lakin huwa ya'taqid fi dhalika annahu 'asi. Li shahwa. Pour avoir yani la reconnaissance des koufars, pour avoir des contrats avec les koufars. Il fait cela, pas parce qu'il pense que c'est la meilleure des lois, il sait que c'est un rasi. Il fait cela par passion. Est-ce que c'est un kafir billah azawajal? On n'a pas de dalil. Et c'est une situation qui peut arriver. On ne dit pas que tous les hukkam, alladhina yahkumuna bighayri ma anzalallah, ils ont tous des excuses. Nous on dit, pour celui que tu veux juger, que c'est un mécréant, regarde sa situation. Si jamais sa situation c'est telle, 1 plus 1 est égal 2. Si jamais sa situation c'est telle, 2 plus 2 est égal 4. Si jamais c'est telle, 4 plus 4 est égal 8. Si jamais c'est le cas de ces choses-là, on dit que c'est un kafir, on dit que ce n'est pas un kafir, par rapport à la situation. On n'est pas en train d'excuser les hukam, et qu'à les cas, on n'est pas en train de kaffar ceux qui ne sont pas, qui ne méritent pas. Ahlu sunnah, c'est ummatu wasata. Entre les deux, ils jugent, ils regardent. Apportez-nous la situation. Et par rapport à la situation, on va juger par le kitab à la sunnah. وَمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. On revient à Allah Azzawajal. On n'a pas trouvé dans le kitab d'Allah Azzawajal le hukm ala takfir de ces personnes-là qui le font tout en ayant la conviction, la croyance que ce sont quoi des désobéissants. On n'a pas de dalil par rapport au kitab à la sunnah. On ne va pas, bishahwa, juger de la mécréance des personnes-là. Alors qu'elles ne méritent pas. Ensuite, ça va nous revenir dessus, comme a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'artadda alayhi, il l'am yakun sahibahu kathalik. Là. Ba'douhum, ils ont dit que le fait de faire cela, que la personne qui yahkum bi ghayri ma anzalallah, an yatashri' anham, il impose à son peuple, il nous dit, il ne peut faire que cela parce qu'il a la conviction que ce qu'il est en train de faire, c'est mieux. Que son jugement, il est mieux que celui d'Allah Azzawajal. Ou bien, au moindre des degrés, que son jugement, il est aussi bien que celui d'Allah Azzawajal. Là, on leur dit, à ces personnes-là, ma'ruf al-hukm, celui qui juge bi ghayri ma anzalallah, tout en ayant la conviction que son hukm il est mieux ou il est aussi bien, ça c'est la personne qui a une conviction. Ya'taqid. Et comme on a pu voir la aqida, mahalluhu ayy al-jawarih ou al-qulub, c'est son mahal, c'est le cœur. Donc là on le dit comme il a dit al-Nabi sallam à Usama, hal shaqqaqta an qalbi hatta ta'lam dhalika. Est-ce que tu as ouvert le cœur de cette personne-là et tu t'es assuré qu'il a la conviction que lorsqu'il fait cela, que son jugement il est mieux que celui d'Allah Azzawajal, ou bien il est aussi, il est autant bien que celui d'Allah Azzawajal. Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir cela? Si la personne elle n'a pas lui-même approuvé sur sa personne, on ne peut pas juger de cela. C'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas juger de cela. C'est impossible. Donc il faut qu'il approuve sur lui-même. Si jamais ce n'est pas le cas, on ne peut pas juger de ce qu'il y a dans les cœurs. Et faire cela, c'est prétendre l'invisible. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَى اللَّهِ. Donc on prétend des choses qu'il y a dans les cœurs des gens. وَلَا يَجُدْ هَذَا. Donc il y a idda'a ilm al-ghayb. Ceux qui disent, yani, ça implique celui qui impose son jugement, le gouverneur qui implique son jugement à son peuple, de manière générale, ça implique qu'il a la rapida que son jugement est mieux. Ça, c'est un takfir, et comment ça s'appelle, bil-lazim. Mais ce n'est pas lazim. Et ça, il y a des qawaïd qui montrent cela. Comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmahullah ta'ala. Qala, rahmahullah ta'ala. Qala, fama kana min al-lawazim. Yardahu al-qa'il, ba'da wuduhihi lahu, fahuwa qawluhu. Wama la yardahu, falisa qawluhu, wa in kana mutanaqidan. Wa in kana mutanaqidan, naham. Qala, wa amma, idha nafa, huwa al-luzum. لم يجوز أن يضاف إليه اللازم بحال نعم رحمه الله تعالى في الفتاوى نريد رحمه الله تعالى للوازم يعني les choses qui lorsqu'on juge on dit ça implique cela celui qui fait cela ça implique cela si jamais la personne a dit نعم ça implique cela et moi j'agrée cela et ben si jamais ça implique une mécréance on lui dit bah t'es un kafir billah azza wa jalla celui qui dit on lui dit hey, ce que t'es en train de faire là ça implique que t'es en train de dire que ton jugement il est mieux que celui d'Allah azza wa jalla il dit نعم. C'est ce que je pense. Il n'y a aucune divergence entre toi et moi. Et bien celui-là, c'est quoi? C'est un kafir billah azawajal. Amma, si jamais il dit là, moi je fais cela, mais je ne suis pas en train d'avoir ce que tu es en train de me dire là, que ça implique cela. Et moi, je n'accepte pas cela. Donc, dans ce cas-là, une vie chère d'islam, on ne peut pas.
on ne peut pas lui juger, on ne peut pas lui coller cette étiquette-là, on ne peut pas lui coller ce jugement-là, parce que c'est impossible. Il a dit non. C'est pas « attakfir billazim la yajouf » حتى قال ذلك الشيخ مقبل عليه رحمة الله. Donc, de juger de cette manière-là, de dire que ça implique cela, donc c'est un mécréant, c'est pas une chose sur laquelle on revient pour juger de la mécréance des gens, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. نعم. الأقوال في ذلك كثير. إن شاء الله نختم en évoquant certaines des choubouhat qui sont importantes d'évoquer pour faire cela. Certains ont dit que celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir. Ils ont pris comme dalil. قولوا سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ils ont pris cette ayah là pour dire que celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jalla, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il y en a que ceux qui font cela, ils n'ont pas de croyance dans le cœur. فلا وربك لا يؤمنون, ils ne croient pas. Par rapport à cette ayah là, il faut savoir que كذلك c'est متشابه هذا الأقوال. C'est une ayah qui est quoi متشابه, dans lequel on peut comprendre cela et on peut comprendre l'inverse de ce qu'on comprit, c'est الخوارج. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله في منهج السنة. Il nous dit dans ce texte là الشيخ الإسلام, il nous rapporte que الخوارج, ils prennent cette ayah là que j'ai récité à l'instant pour juger de la mécréance de ceux parmi les gouverneurs qui ne jugent, qui jugent par une loi qui est autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie terme des ayahs sur laquelle se repose la compréhension de qui? D'Ahlus Sunnati wal Jama'a? La. La compréhension de qui? Al-Khawarij. Wa man tashabbaha biqawmin fahu minhum. Wa Cheikh l'Islam kadhalika, il évoque une chose qui est importante. Que c'est pas toute fois où la foi, terme, elle a été évoquée d'une manière par négation, que ça fait que cette personne-là, elle est quoi? Elle est sortie de l'islam. Maintenant, Hunay, il a dit Allah Azza wa Jal, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ils ne croiront pas. Il dit, ils ne croiront pas, cette chose-là, c'est pas forcément qu'il est sorti de l'islam. Il y a des ayahs qui montrent, il y a des adillahs qui montrent le contraire. Al-Nabi Sallam, il a juré trois fois. قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنْ جَارَهُ بَوَائِقَهُ. Par Allah, il n'a pas cru. Par Allah, il n'a pas cru. Par Allah, il n'a pas cru. Ils ont dit qui, ya Rasulallah? Ils ont dit celui qui gêne son voisin. Il a dit, il n'a pas cru. Il n'a pas cru, il n'a pas cru trois fois. Il a juré par Allah, Azza wa Jalla. Est-ce que ces personnes-là, qui respectent pas les droits du voisinage, est-ce qu'ils sortent de l'islam? Parce que Nabi Sallam, il a juré trois fois, il a juré par Allah, Azza wa Jalla, que ces personnes-là n'ont pas la croyance dans le cœur. Là, ma'ruf, yani, c'est pas une chose qui fait sortir de l'islam. Malgré cela, il a dit, il ne croit pas. Dans les cas, Nabi Sallam, il a dit, لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. Celui qui vole, lorsqu'il vole, il n'est pas croyant. وقال ولا يزني أزاني حين يزني وهو مؤمن. Celui qui fait azina, lorsqu'il fait azina, c'est pas mu'min. Est-ce que c'est quelqu'un qui sort de l'islam? Est-ce que celui qui vole, c'est quelqu'un qui sort de l'islam? كذلك, c'est pas le cas. Pourtant, النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit quoi? وهو مؤمن. C'est impossible que cette personne-là ce soit un croyant. Donc ça, ce sont des choses que يعني من comme s'appelle متشابهة الأقوال. Ce sont des choses يعني des textes qui sont ambigu. Et Cheikh l'Islam, il évoque, il y en a par rapport à cela, que ce n'est pas toutefois que la foi, elle a été évoquée par négation, que cette personne-là, elle est sortie de l'islam. فقال رحمه الله تعالى كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإنما يكون للترك واجب من ذلك المسمى. Il nous dit, toute chose que tu vas trouver dans le kitab, d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il est évoqué par négation ces noms-là, comme il ne croira pas, il n'a pas d'islam, il n'a pas de din, il n'a pas de salat, il n'a pas de siyam, il n'a pas de tahara, il n'a pas de hajj. Il a dit que ces choses-là montrent qu'ils ont délaissé une chose qui est quoi? Wajib. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la foi totale, c'est-à-dire ils n'ont pas la perfection dans la foi. Ils ont la foi, laquelle ils n'ont pas la foi qui est quoi? Qui est parfaite. C'est ce qui est voulu ici. Lorsque la négation allait apporter à ces choses-là, c'est pas pour dire qu'il n'a plus de foi, laquelle il n'a pas la foi qui est complète. Il a une foi, laquelle qui n'est pas complète. كذلك هنا فلا وربك لا يؤمنون, et ils n'ont pas la foi complète, ces personnes-là qui font ce genre de choses-là. قال رحمه الله كذلك قال فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية, يعني في الآية, دل على أن هذه الغاية فرض على الناس, فمن تركها كان من أهل الوعيد, من لم يقد قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد به أهله بدخول الجنة بالعذاب. Ça c'est un folk واضح. Il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى que Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué la négation terme de la foi dans cette ayah là, c'est-à-dire ils n'auront foi que si jamais ils te prennent comme juge
et qu'adalika ils ne trouvent pas de gêne dans le jugement et que yusallim laka taslima, c'est-à-dire qu'ils se soumettent totalement au jugement que tu auras jugé sur eux. Et il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt dans Cheikh l'Islam, que dans cette ayah-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué que ces personnes-là auront la foi que si jamais ils font les choses qui sont évoquées après. Donc il nous dit, les choses qui sont évoquées après nous montrent que ce sont des choses qui sont obligatoires afin d'avoir la foi. Lakin, il dit que ces personnes-là qui ne ramènent pas ces choses-là, dans lesquelles il est évoqué la négation de l'iman, mathalam, comme c'est le cas dans cette ayah-là, il nous dit qu'ils ont délaissé des choses qui sont wajib, par lesquelles, lorsqu'ils viendront yawm al-qiyamah, ils font partie des gens qui seront menacés par le feu, ahlul wa'id, et des gens qui ne pourront pas rentrer dans le Jannah sans hadab. C'est-à-dire qu'ils rentreront directement au Jannah. Ma'ruf, ceux qui rentrent au Jannah, ils sont à l'aqsam. Il y en a qui vont rentrer al Jannah bi ghayri hisab wal hadab, ils ne seront pas jugés ni châtiés, et il y en a qui vont rentrer min ahl al-kaba'ir dans l'enfer, laquelle ensuite vont en sortir. Comme le Nabi sallam, shafa'ati li ahl al-kaba'ir yawm al-qiyamah. Ma intercession se fera pour ceux de ma communauté qui auront fait des grands péchés, c'est-à-dire ils vont rentrer en enfer par purification des péchés, expiation, et ensuite ils vont en sortir. Donc ces personnes-là, dans lesquelles il est évoqué la négation de la foi, ils n'ont pas ramené les choses qui sont wajibin, yawm al-qiyamah, ils seront confrontés à au wa'id, à la menace, et ils ne feront pas partie, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, des gens qui vont rentrer au Jannah sans châtiment. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont sortis de l'islam, en aucun cas. Wa qala rahmatullahi ta'ala, فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو الانتفاع بعد الواجبات. Tout ce qui est venu dans la négation des أعمال, لا يؤمنون إلى آخره, dans le kitab et la sunna, il nous dit c'est juste parce que pour montrer que ces personnes-là, yani, ils n'ont pas la perfection dans la foi, lakin ils ont la foi, lakin pas la perfection. Il y a des adillah kathira qui montrent cela, comme on a pu évoquer avec Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, kathalika, man kana yu'minu billah wa yawm al-akhir, falyukrim dhaifa. Man kana yu'minu billah wa yawm al-akhir, falyakun khayran aw liyasmut. C'est-à-dire, dans la compréhension de ces dalils-là, de ces hadiths, celui qui ne fait pas cela, ce n'est pas un croyant. Et personne ne dit cela. كذلك parmi les adillah al-mutashabiha, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytan an yudhillahum dalalan ba'ida. Par rapport à cette ayah là, dans laquelle il est dit, ne vois-tu pas ceux qui ont prétendu la foi, alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, de la chose qui a été révélée sur toi et des choses qui sont révélées avant toi, yuriduna yatahakamu ila at-taghut. Donc là, c'est Al-Khawarij, ils ont pris cette ayah-là pour dire que celui qui prend un jugement autre que celui d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mécru. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir la foi en toi et en ce qui a été descendu sur toi et aux choses qui sont descendues avant toi? Tu les vois juger yatahakamu ila at-taghut, yani en dehors du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a pu voir, ta'hout, c'est pas forcément la mécréance. Enfin, eux, ils ont pris par rapport à la première partie, yaz'umun. C'est-à-dire qu'ils prétendent la foi. Et celui qui prétend la foi, il n'est qu'à faire billah subhanahu wa ta'ala. Parce que la foi, il n'y a pas de prétention. C'est la foi totalement, tamam. Lakin, ils ont dit, les ulama, que cette ayah-là, tadullu ala, que ces personnes-là, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzilika wa ma unzila min qablik, ce sont qui? Ce sont des munafiqun. Tam, les hypocrites. Et parmi leurs sifa, يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يعني c'est معروف, يعني celui qui comprend la langue arabe, il va comprendre cela. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا. ليس معنى ذلك que le fait que أنهم تحاكموا إلى الطاغوت, qu'ils ont jugé par le طاغوت, que ça fait que ça fait que de ces personnes-là يزعمون الإيمان, qu'ils ont prétendu l'iman. Là, ce sont des munafiqs aslan, ce sont des kuffar billah azza wa jalla. Et comme l'a dit l'imam al-Sa'di, alayhi rahmatullah, qala wa hum ma'a dhalika, ay ma'a an-nifaq, yuridun an yatahakamu. Au-dessus de la mécréance qu'ils ont, cette hypocrisie qu'ils ont, au-dessus de cela, avec la prétention, parce que c'est pas une chose qui va avec la foi, de vouloir juger par une autre loi de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils prétendent la foi, et en même temps, regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent, ils font une chose qui montre, qu'ils sont pas sincères dans la foi. Yatahakamuna ila at-taghut. وقد امروا ان يكفروا به. Donc il nous dit, ça c'est une sifa, min sifat al-munafiqin. Et si jamais la personne
elle est comment ça s'appelle, elle ressemble à une autre, il y en a dans une sifa qu'elle a, c'est pas forcément que c'est un kuffar, c'est un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le kitab, il a évoqué énormément dans sourate At-Tawba, wa minhum man yaf'al dhalika wa minhum man yaf'al dhalika, et ceux qui yatashabbahuna bihum, il dit ça yatashabbaha bi sifat min sifat al-munafiqin, celui qui fait ça il aura une sifat parmi sifat al-munafiqin, et c'est pas un kafir billah azza wa jalla, comme fait le hadith نعم أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا يعني parmi les choses qu'ils ont été évoquées lorsqu'il promet idala fil akhirih yani les ulama ils ont dit ça montre que c'est quoi que cette personne là si jamais elle le fait on peut dire de lui que c'est un munafiq نفاقا يعني عمليا يعني il a le même amal que ceux des munafiqs mais en aucun cas ça fait de lui que c'est un munafiq نعم كذلك parmi les ayats qu'ils ont pris am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ils ont dit celui qui prend un jugement autre que celui d'Allah Azzawajal, eh ben c'est un mouchrik. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal l'a dit, ne vois-tu pas ceux, plutôt, ont-ils des shuraka, des associés? Ablahum shuraka, shara'u lahum, ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas permis. Menaddin ma lam ya'zan bihi Allah. Donc ils disent que là, ceux qui jugent par une autre loi que celle d'Allah Azzawajal, eh ben ce sont des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement. As-sahih, c'est qu'ils ont mal compris l'ayah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses dans l'islam? C'est-à-dire, comme on a pu le voir avec quoi? At-tabdil. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des jugements qui sont autres que celui d'Allah azza wa jalla et qui prétendent que ces choses-là, elles font partie du din. Comme il a dit Hona, Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din. Ils leur ont légiféré des choses parmi la religion. Yani parmi l'islam, parmi din illah subhanahu wa ta'ala. En prétendant que ça fait partie du din d'Allah azza wa jalla. Ça c'est du kufr bil ijma'. Comme a dit le cheikh d'islam, rahimahu ta'ala, qala man baddala ashara al-mujma' alayhi fa huwa kafir billah azza wa jalla. C'est-à-dire que celui qui prétend dans son jugement, qui est autre que celui d'Allah azza wa jalla, qui fait partie du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie du din d'Allah azza wa jalla, faqad tashabbaha bil kuffar min al-yahud. Et en plus, yani c'est un kafir billah azza wa jalla parce qu'il prétend que ces choses-là c'est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc ça, cette ayah-là, elle n'est pas fi babiha. Wa kadhalika qawlu subhanahu wa ta'ala wa la yushrik fi hukmihi abada. Et personne ne lui associe dans le jugement. Ça, yani, c'est pas forcément que ce, ça veut dire que toute personne qui juge par une loi, une loi qui est autre que celle d'Allah azza wa jalla, et ben c'est un mushrik. Et comme on a pu le voir, donc tout asi, ou toute personne qui vient s'imposer entre deux personnes, comme on a pu voir avec la part du Cheikh l'Islam, que c'est un hakim. Donc dans ce cas-là, si jamais il fait preuve d'injustice dans son jugement, ben c'est un mouchabi d'Allah Azza wa Jal. Personne n'a dit cela. Hein. Ça, c'est des ayats qui ne sont pas wadiha. Kadhalika, ils ont pris, in al-hukmu illa lillah. On leur dit la même chose. In al-ta'a illa lillah. Celui qui, le jugement, il appartient à Allah Azza wa Jal, comme l'obéissance, elle appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui obéit à sa personne, celui qui sort, ne fait pas salat al-jama'a, une chose qui est wajib. Donc il a obéi à son nefs. Donc c'est quoi? Et c'est un kafir billah azza wa jalla parce que at-ta'a innama hiya lillah subhanahu wa ta'ala. Donc personne n'a dit cela. Kadhalika ils ont pris parmi les ayats afa hukm al-jahiliyyati yabghun. Donc ils ont dit tous ceux qui prennent un jugement autre que celui d'Allah azza wa jalla, et ben c'est un hukm qui est quoi? Jahili. Et le hukm jahili, ça fait de cette personne là que c'est quoi? C'est un kafir. Et ça c'est pas sahih. Abu Dharr lamma ayyara bi shakhsin yani bi ummihi, il a insulté une personne par sa mère, tam fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam innaka mar'un fika jahiliyya. Tu es une personne qui a de la jahiliya en toi. Est-ce que il a jugé de Abu Dharr que c'était un kafir billah azza wa jalla? Il n'a pas jugé cela. Il a dit, t'es une personne qui a un critère parmi les critères de la jahiliya. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam qad qala, yani arba'un fi ummati min umur al-jahiliya. Yani comme dans le hadith. Et après il a évoqué an-niyaha. Celui, yani lorsque la personne a meurt, tu vois, il se roule par terre, il crie wa ila ila khairihi. Il arrache ses vêtements, il se griffe le visage. Le fait de dénigrer comment ça s'appelle, les liens de parenté, la descendance que tu as. Ça fait partie de quoi? Min umur al-jahiliya. Lakin, c'est pas forcément que tout le monde yani, qui fait une chose qui est min umur al-jahiliya, que c'est un kafir. Sinon, dans ce cas-là, il a jugé de la mécréance de qui? De Abu Dharr, et personne n'a dit cela. Qala l'imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, alayhi rahmatullah. في قول سبحانه وتعالى أفي حكم الجاهلية يبغون قال تأويله عند أهل التفسير regardez et معروف أبو عبيدة c'était un des compagnons de l'imam Ahmed عليه رحمة الله donc parmi les salaf il a dit أهل التفسير c'est quoi la compréhension d'أهل التفسير قال أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah عز وجل et qui fait partie des gens de l'islam
par ce jugement-là, il aura jugé d'une manière qui est quoi ? Jahiliya. Qala wa innama huwa anna ahlan jahiliya kanu kathalika yahkumuna, yani par des choses qui sont en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou bien des choses qu'il a fait lui-même. Tam, c'est des jugements qui sont comme ceux de la jahiliya. Wa il a dit kathalika wa hakadha qawluhu thalathun min amri al-jahiliya at-ta'nu fil ansad an-niyaha wal-anwa. Tam, ces choses-là, il nous dit, ça fait partie de quoi ? La jahiliya, comme on a pu les évoquer au début. Qala laysa وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا. Il nous dit, رحمه الله تعالى, que dans cette expression-là qui est من أمور الجاهلية, que ceci montre qu'il a eu une ressemblance dans ce qu'il a fait avec أهل الجاهلية. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بشرك. Il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, al-ma'asi, ça fait partie des choses qui sont quoi ? Min umur al-jahiliya, ni tout ma'asi, min umur al-jahiliya. Il dit la personne, la yakfur bithalika, c'est pas par simple fait qu'il est tombé dans une chose de la jahiliya, que c'est un kafir billah azza wa jal, il a dit excepté en dehors de quoi ? Du shirk. Amma celui qui fait du shirk, na'am, qad kafara billah subhanahu wa ta'ala. Na'am, al-aqwal fi dhalika kathir, wa inshallah, nakhtim, wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية دماج أفاكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي